se retrouve pour une vidéo sur une nouvelle toile. J'ai décidé d'attaquer cette toile là. Donc c'est une 30, non une 40 par 40 qui vient de je ne sais quel vendeur, je sais plus. C'est du rond et puis ça se voit bien, c'est un Mario, un peu comme Mario Maker, voilà. Donc on va attaquer la première fenêtre là. Je suis en pyjama, hein. Oups. En combi parce qu'il fait froid à la maison. Et puis bah, c'est dimanche et puis on est le soir, donc voilà. On va tourner tranquillement. Je vous incline sur la toile et on va commencer. Donc on va commencer là. J'ai coupé un carré de 10 sur 10 là. Alors vous allez entendre la petite, il est un peu plus de 9h mais elle veut pas aller dormir, donc je suis désolée. Je suis désolée, vous allez l'entendre. C'est ça où je mets la vidéo en musique. Alors certaines me diront oui, en musique c'est bien, d'autres vont me dire non, c'est pas bien, donc on va faire comme ça, voilà. Donc là, ben, j'ai pas très de choix, en plus j'ai que du même numéro. Oula, et puis j'ai oublié de prendre une gamelle, voilà. Bon, heureusement que j'en ai des pas loin, je vais chercher une gamelle. Hop là, j'en ai une. J'ai pas de stylet, je crois, non plus, en plus. Oui, faudrait peut-être que je prenne un stylet. Mon stylet. Ah bah, je vais prendre celui de Sandrine et de la pâte, ouais. Je vais prendre celui qui m'a été offert par Sandrine pour Noël, que j'avais gagné sur le... Oh, mince! Le loto, voilà. Même si Noël s'est passé, on est le 27. Le 27 décembre, quand vous voyez la vidéo. Ah ouais, mais il m'aurait fallu un stylet multi-embout en fait. Donc je ne me souviens plus c'est quel vendeur et en plus j'ai plus la date pour rechercher. C'est un vendeur sur AliExpress chez qui je l'avais commandé mais je sais plus. Cette toile là, ça fait très très longtemps que je l'ai. Et là j'ai dit non, je la fais. Donc là la colle par contre ça m'a laissé un dépôt. J'ai un petit dépôt de colle mais c'est pas grave, je l'enlèverai après. Maëline, s'il te plaît, arrête de faire le bazar. Ah, bah ça va pas coller. Donc on est parti pour un petit peu. Donc ouais, aujourd'hui, dimanche, dans Lyon où je suis, c'était la tempête phénoménale. Donc attendez, là la ligne, elle s'arrête où la ligne? Là. Là, je vais mettre une pierre où ça s'arrête, comme ça. Je vais être tranquille. Ouais, là, le papier, non. Ouais, voilà pourquoi je voulais faire. J'ai mis sur le papier où il y avait le papier qui était encore transparent. Donc c'est là que ça s'arrête, voilà, ma ligne. Donc ouais, aujourd'hui c'était la tempête. On a eu beaucoup, beaucoup de vent. Et encore là, tout à l'heure, avant que je commence la vidéo, il y avait encore beaucoup de vent. On a eu beaucoup, beaucoup de pluie. C'est affreux. Franchement, c'était affreux. Une journée, bah, rester à la maison. De toute façon, on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc à rester à la maison, sous les couettes. Quand je parle de couettes, hein, de plaid dans le canapé. À regarder, moi personnellement, je me suis occupée de la petite et j'ai regardé des vidéos YouTube. J'ai fait des trucs sur YouTube. Et mon conjoint, lui, s'est occupé de créer enfin la deuxième chaîne YouTube, comme je vous avais parlé. Qui s'appelle donc du coup Flora la Geek. Et où vous retrouvez tout ce qui est autre que le diamond painting. Et là, d'ailleurs, là, pendant que moi je suis en train de faire ça, lui, il est en train d'enlever toutes les vidéos qui sont pas du diamond painting et qui sont sur la chaîne de diamond painting. Petit à petit, on va tous les rapatrier. Alors ça, le papier, là, il va falloir que je crée un système d'aimant, là, comme ils font, là, les autres filles que je vois pour ce papier-là, parce que ça, ça m'agace. Donc oui, il est en train de rapatrier toutes les vidéos sur l'autre chaîne. Alors sur l'autre chaîne, du coup, on essaiera de mettre une vidéo par jour pour rattraper toutes les vidéos qui étaient sur l'autre chaîne. Donc en principe, on mettra un petit ancienne chaîne ou un petit truc comme ça sur le titre pour vous dire que c'est pas des nouvelles vidéos.
Donc du coup voilà, si vous voulez suivre tout ce qui est unboxing hors diamond painting, mes hauls et tout ça, s'il y a des swaps qui n'ont pas à voir avec le diamond painting, tout ça se retrouve sur la deuxième chaîne. Et du coup le nom de la chaîne a changé aussi, vous avez vu. Vous avez été certains à me faire remarquer que j'avais changé la chaîne et que ça vous plaisait. C'est Flora Diamond Painting, voilà. Ce qui est aussi bien puisque du coup, oui, sur cette chaîne-là, il n'y a que du diamond painting. Dorénavant, il n'y aura que du diamond painting. Alors, je vais chercher un embout multiple. Si j'en ai un sous la main par là. Ouais, j'ai un 3 là. Je pense que ça va. 3 ou 4, ça devrait aller. On va essayer d'avancer un petit peu plus vite parce que là... Alors, celui-là, il me plaisait. Il me plaisait, hein. Il me plaît, mais... ce que j'ai un peu peur, c'est tout ce jaune-là. Alors, les pierres qui ne veulent pas s'aligner, donc ça va être compliqué. Tout ce jaune-là me fait pas très plaisir, mais... Alors, punaise. L'embout ne colle pas, donc ça va plus vite. Cet embout... Non, cette toile m'embête un peu parce que franchement, le jaune, il y en a rien. On a ce qu'ils font en jaune. Voilà, j'ai remis de la colle. Je pense que ça devrait aller mieux. Donc, hop. Voilà. C'est pas forcément pour avancer plus vite, mais au moins, si, quand même un peu parce que là... Je pense que des lignes et des lignes comme ça de jaune, ça va pas être très sympa. Et on n'est pas arrivé en bas. Donc là, oui, c'est un embout de 4. J'en prends 4 à chaque fois. Ça va être un peu mieux. Demain, je reçois des colis Diamond Painting, justement. Donc, du coup, il y aura des vidéos à faire aussi demain qui seront, mis en ligne prochainement. Voilà, dès qu'il y aura une petite place, puisque, comme vous le savez, je poste tous les deux jours. Il n'y a que là, pendant le calendrier de l'Avent. J'ai pas eu trop de retours, d'ailleurs, sur les calendriers de l'Avent. Donc, je sais pas si ça vous a plu ou pas. Il n'y a que là pendant le calendrier de l'Avent où je postais tous les jours. Sinon, en général, je poste tous les deux jours. Et là, sur la nouvelle chaîne, le temps de remettre toutes les vidéos que j'avais sur l'autre chaîne, ça sera posté tous les jours. Et il y a monsieur aussi qui a sa chaîne. Alors, c'est quoi ta chaîne? C'est quoi le nom de ta chaîne? Ah bah, il sait plus. Il va reprendre les vidéos aussi puisque il y a un partenariat qui l'a recontacté. Donc du coup il va refaire vidéo ouverture et présentation de ce qu'il a eu. Donc du coup il va refaire des vidéos sur sa chaîne si vous voulez le retrouver. On mettra le lien en barre d'infos. C'est pas forcément génial de faire ça avec bébé à côté. Reviens sur mes genoux. Reviens sur mes genoux. J'ai un bébé, ça va faire plusieurs jours, voire plusieurs semaines, que j'ai un bébé qui est très très ronchon. Alors je sais pas si c'est la dent, il y a une dent qui doit sortir. Oh, ce papier m'énerve par contre. Et je sais pas, je crois que je vais mettre un bout de scotch après. Je vais aller essayer de trouver du scotch là parce que je crois que ça va m'énerver. J'ai la petite qui veut faire du diamond painting avec moi. Alors déjà, c'est pas sympa. C'est un peu embêtant. Si le papier s'y met, on n'est pas arrivé. Donc oui, je vous disais, je sais pas. Elle sort une dent en haut. Mais c'est vrai que ça fait vraiment... enfin, sur quelques jours déjà qu'elle est extrêmement embêtante. Elle ne veut plus aller faire dodo. Elle hurle beaucoup dans la chambre. Alors qu'avant elle disait rien.
Elle veut beaucoup, beaucoup être dans nos jambes, avec nous. Elle nous colle beaucoup, donc ouais, c'est pas facile, facile. Qu'est-ce que c'est? Bah regarde sur le téléphone. En plus, on a des problèmes d'internet. On est retourné chez Free puisqu'on avait des problèmes avec Shosh. Et du coup, pour l'instant, j'ai pas internet à la maison. Donc, on est obligé de se connecter avec la 4G de mon portable. Et il y a des fois, ça saute. Je sais pas pourquoi. C'est casse-bonbon. Puis là, avec la tempête qui adore, si les lignes téléphoniques elles sont touchées, ça va être encore pire. C'est peut-être ça que ça se déconnecte toutes les 5 minutes. Bon. Bon, vous savez quoi, je vais vous laisser là en fait. Et je vous reprendrai après quand la petite dormira parce que là c'est plus possible. Alors voilà, je suis désolée, du coup j'avais coupé et je vous reprends maintenant. Je crois qu'elle dort enfin. Papa a pris le relais, on a fait relais. Et pendant que papa prenait le relais, j'ai avancé. Et du coup, j'ai gardé cette petite partie là pour faire avec vous. Et cette partie là, donc déjà ça m'a pris un petit peu de temps à faire toute la zone de jaune, donc du coup je vais finir la zone de jaune qui est là, et je voulais faire cette partie avec vous là qui est multicolore, qui est beaucoup plus sympa. Donc, du fait du jaune, je croyais que ça allait me lasser vite et que ça allait prendre du temps, mais vu en fait que j'ai pris un embout de 4, et ben ça va assez vite. J'ai pas mis très longtemps à faire Donc là, je suis à 24 lignes, je crois. Oui, 24. Parce que je vais partir de 4 en 4, donc voilà, je suis à 24. Et du coup, ça a été quand même assez vite. Donc après, je suis pas à la fin de la toile, hein. Ça peut encore me lasser. Mais pour l'instant, ça va. La toile est agréable à faire. Ça colle super bien. Il n'y a pas à revenir, à replacer les pierres. Donc pour l'instant, j'ai rien de mauvais à dire. Ça me plaît. Pour l'instant, ça me plaît. Après, je vais la faire en même temps que je vais faire ma toile des filles. Parce qu'à partir de janvier, il y a ma toile des filles. Donc du coup, je la ferai en même temps. Donc je ferai peut-être, normalement ma toile des filles c'est 3 cases. Donc je ferai peut-être les 3 cases en vidéo. Et celle-là en plus, ou je sais pas, je verrai comment que je ferai. Au moins une sur une case de l'autre. Alors c'est des cases sur 10 sur 10. Donc je ferai peut-être une case avec vous sur... une ou deux vidéos sur comment ça se passe, ou alors des vidéos en accéléré, je sais pas. Je sais pas du tout, ou en musique peut-être. Je verrai comment ça va se débrouiller. Je sais pas. Je sais pas du tout. Et ça, c'est pareil, le stylet que j'avais gagné au loto de... L'auto bingo diamond painting. Qui est, je crois, en barre d'infos. Il me semble. Donc ouais, je vous disais pour ma fille tout à l'heure. Ça fait quelques jours que c'est compliqué. Et, alors sans vous raconter ma vie, hein, je vais vous raconter brièvement. J'ai des voisins au-dessus. Et pendant les fêtes, ils ont reçu des gens. Et c'est vrai qu'une ou deux fois, ils me l'ont réveillé. Alors, est-ce que c'est ça qui lui fait peur? Ou alors la peur du vent? Parce qu'on entend beaucoup le vent et la pluie, mais ça fait plusieurs jours déjà. C'est vrai que les autres jours, c'était moindre, la pluie et le vent. Mais là, aujourd'hui, c'était très violent. Alors, quand là, elle était avec nous, elle arrêtait de pleurer et elle se calmait. Elle se frottait les yeux, donc on voyait bien qu'elle était fatiguée. Mais dès qu'on la posait, elle ne voulait pas dormir. Donc là, du coup, c'était très compliqué. Donc, je sais pas. Puis après, elle arrive sur 16 mois, il y a la période des cauchemars. Donc, est-ce que... Je crois que c'est à peu près vers cet âge-là, la période des cauchemars. Donc, est-ce que c'est ça aussi? Je sais pas. Et puis, il y a une dent, là, qui veut pas sortir. Ça fait
plusieurs semaines qu'on voit qu'elle est au ras-ras prêt à sortir, mais qu'elle sort pas. Donc, est-ce que c'est pas ça aussi qui l'ennuie? Je sais pas. Il y a plein de facteurs qui font que ça peut être un petit souci comme ça. Bon, bah, du coup, il me reste des pierres jaunes dans ma gamelle. Ce que je vais faire, je vais faire la ligne du dessous. Je vais, alors, du coup, j'ai été chercher un peu de scotch aussi, j'en ai profité, pour mettre un petit bout de scotch au bout, pour pouvoir trier tranquillement le papier. Hop. Je vais vider, puisque je ne vais pas remettre le peu de jaune qui reste dans ma gamelle. Alors, hop, on va continuer le jaune. Oups, je ne les ai pas bien mis. Je me suis mal prise. Hop. Donc voilà, on va continuer jusqu'à épuisement du jaune qui est dans ma gamelle. Dans ma gamelle, dans mon bateau, comme vous voulez. Cet après-midi, on était, j'ai été sur un live. Alors, c'est quoi la chaîne de la personne? Ah, je sais plus. Une nouvelle personne que j'ai découvert. Grâce à une autre chaîne YouTube. Et franchement, trop sympa la dame. Le week-end dernier, la dame, elle a fait un live de 8 heures sur YouTube. J'aurais été crevée, moi, d'avoir fait ça. Attendez, je regarde. Hop, chiant. Vous m'entendez peut-être un peu loin parce que mon téléphone est branché, il est en train de charger. Donc, du coup... Alors, ça s'appelle comment sa chaîne? Je crois qu'on en a pour jusqu'en février au moins. Ah, peut-être. C'est une Québécoise et sa chaîne c'est Diamant et Strass sur YouTube. Et franchement, c'est une Québécoise et on a bien rigolé. On s'est bien marré et tout. Et franchement, je vous la recommande si vous voulez aller faire un petit tour sur sa chaîne. C'est une petite chaîne, mais bien sympathique. Et puis du coup, bah, ça m'a permis de découvrir plusieurs chaînes aussi. D'ailleurs, si vous avez des chaînes YouTube et uniquement sur cette vidéo-là, puisque comme ça, ça peut être sympa. Uniquement sur cette vidéo-là, si vous avez des chaînes YouTube et que vous voulez vous faire connaître, je vous autorise à mettre le lien de vos chaînes dans les commentaires et comme ça bah, si je vous suis pas bah, j'irai voir et puis m'abonner si ça m'intéresse. Puis bah, si vous voulez partager ma chaîne et parler de moi sur vos chaînes, et ben bah, je suis tout autorisé, je vous autorise. Comme ça on fait du partage de chaîne et ça peut être sympa et ça nous aide tous. Et du coup, pour en revenir aussi au concours que j'ai fait, que personne n'a trouvé, enfin, à part 5 personnes, la personne ne m'avait pas contacté, la première, donc du coup, ce soir, bah, j'ai refait le tirage au sort, et la personne a vu direct la vidéo, la personne qui venait d'être tirée au sort, c'est les coloriages de Leilei. D'ailleurs, je la félicite... encore une fois, et du coup elle m'a contacté direct, donc elle va pouvoir avoir sa toile. Alors comme je lui ai dit, soit elle va sur le site et elle choisit un ouvrage, ou soit elle me donne une photo que je donne à Lisa, puisque ça s'appelle Lisa la dame, je donne à Lisa et on lui fait faire un personnalisé, et dans ce cas là de toute façon c'est Lisa qui charge de l'envoi. Moi, j'ai juste à lui donner, de lui dire ce que la personne a choisi. Et puis, elle, et ses coordonnées, et c'est tout. Voilà. Donc ça, c'était plutôt cool. C'était plutôt cool à faire gagner. Donc là, on voit pas trop. Je vous zoome. Je sais pas par contre ce que c'est.
Parce que là, sur la photo du diamond painting, la petite photo en haut, on voit comme un point noir. On ne sait pas trop ce que c'est. À mon avis, vu de près, on ne saura pas trop. Il faudra regarder de loin. Parce que je pense que... Ouais, d'ailleurs, je crois que la dame avait remboursé parce que je m'étais pris un peu le chou avec elle. Parce que je lui avais demandé quelle était la meilleure taille. Elle m'avait dit 40 par 40. Il n'y a pas beaucoup de détails. Ça devrait être impeccable. Et quand je l'ai reçu direct, j'ai bien vu que il allait en manquer. Je vais reprendre le testier maintenant. Bah, pas en manquer, qui manquait voilà, de la taille, quoi. C'est ça que je veux dire. Pas manquer des strass ou quoi. Et il me semble qu'elle m'avait remboursé partiellement ou qu'elle m'avait remboursé complet. Je sais plus. Je sais plus parce que ça date. C'est un. DDP des débuts. Ouais, moi j'ai des DP qui datent. Hein. Qui datent chez moi. La plus vieille toile que j'ai retrouvée, je crois que c'est une de 2016. Donc ouais, il faudrait. Alors attention. Non, elle est sur plastique. Bon, tant pis. Alors hop, on va piquer. On va piquer à côté. De toute façon, là, on a dit avec monsieur que on s'est dit que le mieux c'était de faire du plus ancien, pour ça que j'ai des dates, du plus ancien au plus récent. Donc maintenant, quand je reçois une toile, ben, je mets la date sur la toile et de qui ça vient. Comme ça, je sais quand est-ce que j'ai reçu. Que je ne faisais pas avant et je tenais pas non plus de cahier de bord avant. Bon, ça j'en tiendrai pas plus pour l'instant de cahier de bord, c'est juste je marque sur l'étoile comme ça, c'est sympathique. Et puis là je suis bien contente, je remercie tous les nouveaux abonnés, toutes les nouvelles personnes, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne parce que là en quelques jours on est monté à 150 6 je crois. Oui, tout à l'heure j'ai regardé juste avant de commencer la vidéo, on était à 156. D'un coup c'est monté d'un coup. Alors est-ce que c'est, on a parlé un petit peu des chaînes YouTube des autres sur le live justement. Donc est-ce que c'est des personnes qui venaient du live, je sais pas, ou d'autres personnes qui ont parlé de moi, je sais pas. Mais en tout cas, bah, merci beaucoup et je suis très contente d'avoir un peu plus d'abonnés. Alors sachez pour les nouveaux que régulièrement il y a des... J'essaie régulièrement de faire des concours, mais que les concours sont cachés dans des vidéos. Donc si vous voulez gagner, il faut regarder les vidéos jusqu'au bout. Voilà. Après j'oblige personne, hein. Vous avez le temps, vous avez le temps. Vous n'avez pas le temps, bah, vous ne le faites pas. Ou alors vous ne voulez pas le faire, bah, vous ne voulez pas regarder jusqu'au bout, bah, vous ne regardez pas jusqu'au bout. J'oblige personne à le faire. Juste, je dis que voilà, maintenant c'est comme ça. Et j'ai expliqué pourquoi, parce que voilà, ça au moins je récompense les personnes qui, déjà mes abonnés, et les personnes qui sont fidèles et qui vont jusqu'au bout des vidéos. Voilà. Là, c'est super cool à faire. Puis après, ben, je vais reprendre le jaune jusque. Je vais essayer de terminer mon carré de 10 sur 10. Donc voilà, du coup, ben, il est assez tard quand je tourne la vidéo. Il doit être 22h maintenant. Que la choupette a vraiment eu du mal à s'endormir, c'est... C'était prenant. Ah oui, même plus, il est 22h30. Je viens de voir au réveil, il est 22h30. Après aussi, je vais peut-être faire des vlogs, je sais pas. Peut-être justement au mois de janvier avec la nouvelle toile, peut-être faire des vlogs pour faire mes 3 cases par semaine. Peut-être faire un vlog sur les 3 cases. Ça peut être sympa, je sais pas. Oh, ce temps de chien chez moi, franchement, c'est un temps pourri.
Vous rendez compte que chez nous, même volet fermé, fenêtre fermée, on entend encore la pluie qui tombe et le vent qui souffle tellement que ça souffle fort. C'est un peu abusé. Mais bon, c'est la vie. L'année se termine avec de la pluie. Alors que nous, en fait, aujourd'hui, on avait de la neige qui est annoncée. On avait de la neige qui était annoncée, on a eu quoi? Le vent et la pluie, voilà. Il y a 15 minutes. Bon, je suis pressée d'être à demain. Parce que demain, normalement, j'ai des colis qui arrivent. Des colis de partenariat. Un colis de partenariat. Peut-être deux, je sais pas. Comme ça, ça va faire des vidéos, du contenu. J'attends encore plein de trucs d'AliExpress. Ça me saoule. J'ai encore un ou deux trucs qui doivent arriver de Wish. C'est un petit peu la galère. Du coup, monsieur est reparti sur l'ordinateur à finir de vider ma chaîne. Enfin, vider. Vider les vidéos qui n'avaient rien à y faire. Voilà. Et puis sur la nouvelle, donc ma seconde chaîne, vous avez le lien qui est en barre d'infos. Sur la seconde chaîne, c'est pareil. Si sur ma chaîne là de Diamond Painting, il y a des vidéos où on voit mes enfants. Et c'est pareil, celle-là, je vais les garder pour moi. Je vais les stocker sur un disque dur. Mais c'est pareil, ils ne seront plus en ligne. Donc du coup, il y a peut-être des vidéos que vous avez aimées sur cette chaîne-là, avec les enfants, que vous allez chercher sur l'autre chaîne, mais que vous ne reverrez pas. Donc voilà. Et d'ailleurs, là, sur la chaîne, il y a que sur la chaîne secondaire, du coup, il y a quelques jours, j'ai tourné une vidéo qu'on a montée, qu'on a mis en ligne aujourd'hui. La petite était présente et du coup, bah, elle a voulu passer, donc je l'ai portée et je vous ai dit sur la vidéo, voilà ma fille, ou un truc du genre. Et du coup, le papa s'est amusé à apprendre à servir de logiciel un peu plus encore et à flouter la petite, on la floute. Donc après, le floutage n'est pas parfait, mais voilà, c'est le plus gros est flouté et c'est très bien. Bah voilà, on va repartir sur du jaune. Hein. Donc je sais pas trop si ça ressemble à quoi ça. Si je dézoome. Ça ressemble à rien. Bon, bref. Je vois pas trop à quoi ça ressemble, mais bon. Ce que je vais faire là, je vais faire du jaune et je vais rattraper la ligne qui est là du coup. La ligne qui est là. Et, bah, et puis je vais finir cette ligne là. Et est-ce qu'il me reste beaucoup de lignes là pour faire mon 10-10 ou... Non, il n'y en a pas tant que ça. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Celle-là est finie, 10. Donc voilà. Ce que je vais faire... Bon, je vais en faire un peu avec vous encore. Et puis, bah, peut-être après, je couperai. Je vous récupérerai pour poser les dernières pierres des autres lignes en bas. On va voir comment je vais avancer. Déjà, hop, numéro 8. Le tube était archi plein. Ça descend trop vite. Donc hop, une bonne dose de jaune. Faudrait que je regarde dans mes affaires, j'avais des plus grandes coupelles. Et du coup, là, pour faire des grandes couleurs comme ça serait plus simple. Alors,
je vais juste faire la ligne là pour rattraper, vu que j'ai mis les lignes sur le côté, comme ça, hop. Comme j'ai fait cela, comme ça, ça fait la ligne entière sur le côté. Donc, des fois, elles se placent pas bien, les pierres. Mais pareil, j'ai appris du coup grâce à... Alors, ça, c'est comment son nom, c'est... Mince. Je sais plus son nom. Lorraine, voilà, c'est Lorraine. Grâce à Lorraine, que je savais pas. Bon, moi, j'ai jamais changé les embouts comme ça. Enfin, celui-là, il est tout neuf puisque je l'ai eu il y a pas longtemps. Mais je savais pas que ça se changeait. Et elle m'a dit, bah si, si, il faut les changer régulièrement parce que, à force, ben, ils s'abîment et ils prennent la forme des pierres qu'on fait. Donc, du coup, j'ai appris ça aujourd'hui. Comme quoi, ben, on en apprend tous les jours. Voilà. Même quand ça fait un certain temps qu'on fait du diamond painting, parce que moi, j'avais déjà une autre chaîne de diamond painting avant celle-là. Et à un moment donné, il y a eu trop d'histoires, trop de choses, et puis j'avais plus... vous voyez là? Ouais. J'avais plus l'envie, plus... Et puis du jour au lendemain, ça m'a saoulé et j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté, j'ai tout délaissé. Donc j'ai tout délaissé et au revoir la chaîne YouTube. Et les je ne sais combien d'abonnés que j'avais. Sur l'autre chaîne, j'étais rémunérée. Bah, avec l'ancienne version. Hein. J'étais rémunérée avec l'ancienne version hein, parce qu'il n'y avait pas la nouvelle version. Mais bon, voilà, du coup, un jour, sur un coup de tête, j'ai tout enlevé. Et après, du jour à... Pareil, hein, du jour au lendemain, ça m'est revenu. J'ai eu envie de recommencer. Donc du coup, bah hop, reparti, refais une chaîne YouTube et relance-toi, quoi. Voilà. Et je crois que, bah par contre, avec ma autre chaîne YouTube, je suis jamais arrivée à 1055, là, je dois être, ou 1056. Je suis jamais arrivée à ce stade-là. Hein. Donc là, moi, je suis toujours pas rémunérée par YouTube. Alors pourquoi? Ben j'ai dépassé les 1000 abonnés. Alors ce qui est une clause. Et il y a une autre clause qui dit qu'il faut avoir 4000, je crois que c'est. Un DD. Ouais. 4000 heures de vue et moi je les atteins pas. Avec 1050, allez on va dire 1050 abonnés. Avec 1050 abonnés, j'arrive pas à avoir mes 4000 heures de vue. Donc du coup, bah, je suis pas rémunérée par YouTube. Et Utip, je sais pas si ça fonctionne encore. Avant, j'étais sur Utip aussi. Mais je sais pas si Utip fonctionne toujours. Donc du coup, bah, c'est vraiment... YouTube, c'est juste bah, une passion, quoi. Une passion, une envie de vous présenter ce que je fais. Certains partenariats, puisque j'ai pas beaucoup de partenariats, en gros. En gros, je vois qu'il y a des beaucoup plus petites chaînes que moi qui ont tous les partenariats comme les grosses chaînes. Et moi, j'ai pas. J'ai pas, et quand je contacte, on me dit, bah non, votre chaîne, elle est trop petite. Votre chaîne fait pas assez de vues, bah voilà. On m'envoie au panier, alors que voilà, j'ai vu des chaînes... Ouais, qui était beaucoup plus petite que la mienne, qui faisait presque autant de vues que la mienne, vu qu'elles étaient plus petites, mais qui avait le droit, quoi. Mais bon, tant pis. Tant pis. C'est parce que ben les partenariats, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, après, comme je dis, les partenariats, on nous donne, on teste, et ben pour moi qui suis pas rémunérée, ben c'est un petit peu un remerciement de ce que je fais sur ma chaîne, quoi. C'est un petit peu un remerciement pour moi. Ça peut être payé, voilà, quand même, pour montrer leurs produits, mais... Donc, c'est sympa. Après, moi, en partenariat, j'ai que Ibro des Diamants. Et là, je vais tester à Diamond Painting, qui m'ont contacté. J'ai Goodfield qui m'a contacté une fois. J'ai essayé un produit de chez eux.
Ils m'ont plus jamais recontacté. Quand je les ai recontactés, soi-disant, ma chaîne leur plaisait pas. Donc pourtant, j'avais dit que du très très bon de leur chaîne, de leurs produits et tout. Bon. Naomi, je les ai contactés à plusieurs reprises, c'est pareil, ils veulent pas. Ils violent pas alors qu'ils travaillent avec des petites chaînes, mais bon. Voilà. Et puis il y en a plein d'autres, hein. Plein d'autres que j'ai pas forcément contacté, mais qui m'ont pas forcément contacté. Puis ma chaîne, je me suis aperçue que ma chaîne, je sais pas, il va falloir que je regarde dans les mots que j'ai mis pour être référencée, parce que ma chaîne n'est pas référencée. Quand vous tapez Diamond Painting, je veux dire, je suis pas dans les premières à sortir. Donc si les partenariats tapent et regardent comme ça, c'est sûr que c'est normal que je n'ai pas de partenariat, parce que du coup, je me suis aperçue que ça marchait pas, j'étais pas référencée, donc ça coince au niveau de là, je pense aussi, mais bon, tant pis. Tant pis, on se fait... on avance comme on peut, ça prend du temps. Moi, je vole pas d'abonnés, je fais mon petit coin tranquille. Mais en fait, c'est pas le nombre d'abonnés, moi, que je cherche, là. Ce que j'aimerais bien, c'est le nombre de vues qui bouge pour que... Parce que j'ai des partenariats aussi qui m'ont dit ça, quoi. Qui m'ont dit, nous, on s'en fout du nombre d'abonnés que vous avez, du moment que vous avez plein de vues. Mais voilà, les vues, ça monte pas. Ben... Pourtant, là, je me suis dit, au mois de décembre, les vues, elles vont changer parce que je faisais une vidéo tous les jours. Celle du calendrier de l'Avent, mais non, ça n'a pas tellement... Ça n'a pas tellement bougé le nombre d'heures de vues. Ce qui est bien dommage. On va se dire qu'en 2021, on va demander des partenariats. Mince, j'ai fait tomber une pierre jaune. Alors, elle est juste là. Je l'ai vue. Mais des bons partenariats. Surtout quand je vois que Gutfeel et surtout Naomi, que j'aimerais bien tester, Naomi, quand je vois que les youtubeuses, elles se plaignent, parce qu'il y en a certaines, hein, franchement, je citerai pas de nom parce que je saurais pas toutes les citer, mais certaines que je suis et que je regarde et qui se disent « Ah ben non, il y a trop... on a trop de partenariats, mais oh les filles, vous avez trop de partenariats, vous contactez !» Vous contactez votre partenariat et vous lui dites qu'il a sur la vidéo, sur ma chaîne, hein, Flora Diamond Painting. Et puis vous leur filez mon adresse mail et qu'ils me contactent. Il n'y a pas de souci. Hein, mon adresse mail, c'est florachartan@life.fr. Alors, barre d'infos. Hein. Si vous en avez trop, moi, je veux bien partager. Hein. Je veux bien partager avec vous et prendre vos partenariats. Il n'y a pas de souci. On n'a jamais trop de partenariats. Surtout que, bah, en fait, là, comme j'ai dit... en discutant avec l'acheté du Diamond Painting en commentaire, comme j'ai dit, parce qu'elle elle aussi, elle a eu Diamond Painting, qui s'écrit A, mais qui se dit E, puisque c'est en anglais. Et je lui disais, on n'a pas le droit de choisir l'étoile, et elle me dit, non, non, on n'a pas le droit de choisir l'étoile. Donc, comme je disais, après, l'étoile, moi, si elles ne me plaisent pas, elles vont finir en concours, ou alors sur son site... sur son groupe Facebook, le loto, ça va finir là-dedans, parce que si j'aime pas, je vais pas faire d'étoiles que j'aime pas. Donc en plus, oui, Naomi, apparemment, dès que vous postez la vidéo, il vous refait choisir des produits. Et Gutfeel aussi, donc franchement, c'est top. C'est vrai qu'après, ça fait faire pas mal de vidéos, ça fait prendre pas mal de produits, mais moi, je sais que, franchement, je les aurais, bah, je vous fais gagner plus de produits, moi, il n'y a pas de souci. Je m'arrange même avec eux pour que ça, c'est eux qui vous envoient les produits. Mais là, c'est sûr, de toute façon, restez à l'écoute parce que les deux toiles que j'ai reçues de Fort Boyard, alors je sais pas, je pense que la vidéo est pas encore en ligne. La vendeuse s'est trompée, elle m'a envoyé pas la bonne taille par rapport à... à ce que je lui avais demandé. Alors, vous le verrez dans la vidéo. Je le dis dans la vidéo, il me semble. Et du coup, elle va me les refaire. Et je lui ai dit que du coup, j'allais vous les faire gagner.
Et du coup, elle m'a dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez les faire gagner. Elles sont à vous, vous les avez payées. Enfin, du coup, elle m'envoie les deux miennes. Et celles-là, je peux les faire gagner. Donc, restez à l'écoute parce qu'il y aura des toiles à gagner sur mon compte. En fait, je vous explique brièvement, c'est que moi, j'ai des toiles Fort Boyard. Enfin, c'est des dessins de Fort Boyard que j'ai fait faire en toile. Il m'en manque encore deux, d'ailleurs, je crois, à faire. Et je veux les mettre tous dans les mêmes cadres. Et je veux les accrocher sur le mur de la chambre de mon fils. Et du coup, la première, on avait demandé au vendeur. C'était un autre vendeur. Et on a lui demandé. Il nous a dit 40 par 50, c'est très bien. Donc du coup, j'ai fait faire la première en 40 par 50. Et je veux qu'elles aient toutes la même taille pour essayer de mettre, je pense d'ailleurs, tous les mêmes cadres. Et qu'il ait toute la collection sur son mur. Et en fait, ben, la dame, elle s'est trompée. Elle m'a fait... Je pense que c'est une dame, puisque la boutique, elle s'appelle Rose. Donc ça veut rien dire, mais bon, on va dire la dame. Du coup, elle s'est trompée. Elle m'a fait 45 par 55, je crois que c'est. Et bah, du coup, ça va pas. Du coup, ça va pas parce que bah, c'est pas la bonne taille. Ça va pas avec la taille que j'ai commandée. Donc du coup, bah, elle est obligée de me la refaire. Donc là, 1, 2, oh oui, c'est parce qu'il me semblait que donc, ça va arriver sur les autres pierres. Donc du coup, oui, elle m'a dit gentiment, quand je lui ai dit c'est pas la bonne taille, elle me dit bah je voulais faire refaire, donc voilà, génial. Donc, je lui ai dit, bon, il y a montré par rapport à la toile que j'avais moi, qu'il fallait bien que ça c'est le dessin qui fasse 40 par 50 et pas avec le tour ni rien. Donc j'espère que ça va aller cette fois-ci. Je l'avais reçu en 20 jours la première fois. Donc là, je ne sais pas si je vais recevoir en 20 jours. On verra bien. Avec le jour de l'an et tout ça, je ne sais pas. Et puis oui, si vous voulez commander en Chine, il faut vous dépêcher. Parce qu'après, c'est le nouvel an chinois. Alors, je crois que c'est en juin. On est en février, je crois. Après, quand c'est le nouvel an chinois chez eux, c'est les fériés. Et c'est le bazar pour recevoir les colis. Donc... il faut se dépêcher de commander. Oui, c'est des soldes, mais c'est pour tous les soldes. Non, les soldes, c'est le 11-11. Ah oui. C'est passé le 11-11. Oui, il y avait les soldes le 11-11. Mais ça, c'est pareil, je crois que je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Il faut faire attention, les soldes du 11-11, ils vous font croire que c'est beaucoup soldé. Et des fois, en fait, la veille, vous venez... Vous avez, par exemple, pour 30 euros dans votre panier, vous revenez le lendemain, le jour du 11-11, vous en avez pour 36 euros. Moi, j'ai fait l'expérience, hein, moi qui mets beaucoup dans mon panier, j'ai mis, il y a quelques temps en arrière, pas cette année, j'ai pas trop fait gaffe, mais il y a quelques années en arrière, j'avais fait l'expérience et j'avais laissé, on va dire, peut-être 400 euros dans mon panier. Et puis, bah, le lendemain, je suis revenue, il y en avait pour presque 500 euros. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, les soldes. Ah ouais, mais il n'y a pas de soldes, en fait. Il n'y a pas de soldes. C'est encore plus cher. Donc là-dessus, il faut faire attention. En fait, limite, ce qu'il faut faire, c'est la veille du 11-11, il faudrait tout noter les prix ou faire des captures avec les nouveaux les anciens prix et... le lendemain, se connecter et regarder vraiment si les prix ont changé en bien ou en mauvais. C'est ce qu'il faut faire. C'est. Mais bon, pour des gens qui ont des gros paniers comme moi, ça peut être. Mon panier, d'ailleurs, AliExpress, il n'est jamais vide. Il y a toujours des trucs qui traînent dedans. Et des trucs que je ne vais pas forcément acheter, en plus, que je mets au panier et que j'achèterai peut-être jamais. Une fois de temps en temps, je fais le gros tri de mon panier. Je me dis non, ça en fait, j'achèterai jamais. Ça, j'achèterai jamais. Et du coup, je fais le tri, mais il est jamais vide. Oh là, ben là c'est parti en cacahuète, les pierres. Il y a une pierre qui s'est retournée. Alors, je pense que... hop, peut-être l'embout commence à s'abîmer. Tac. Ouais. Moi,
en tout cas, ouais, c'est une personne qui est très sympathique parce que j'ai pu discuter plein de fois avec elle de cette boutique. Des fois, la nuit, elle m'envoie un message pour savoir comment ça va. Donc, si moi, j'ai une petite insomnie ou j'entends le téléphone qui bip à côté de moi pour me dire qu'il y a un message, ben, je me réveille, je lui réponds, on discute. Du coup, elle a un petit peu de mal avec le décalage horaire parce que des fois, elle croit que c'est la journée et chez nous aussi, alors que c'est la nuit. Donc, des fois, elle m'envoie, ben, comme là, il y a quelques jours, avant que je reçoive ses toiles, elle m'envoie en pleine nuit. As-tu reçu mes toiles ce matin? Non, non, mais attends, on est en pleine nuit, il faut peut-être attendre un petit peu. Mais c'est une personne, ouais, très sympa. Très sympa, donc par la suite, peut-être un partenariat ou... D'ailleurs, je vais vous tourner une vidéo sur sa boutique. Peut-être un futur partenariat ou... Une collaboration pour un concours, peut-être. Je sais pas. Bah, tiens, il y a une pierre qui est là. Mais c'est vrai que ouais, ça aide beaucoup quand même les partenariats. Ça aide beaucoup à avancer les chaînes. Puis ouais, moi je trouve que c'est avoir des partenariats, c'est quand même avoir une belle récompense. C'est une récompense par rapport au travail qu'on donne quand même. Parce que pas tout le monde peut avoir accès au... Vu qu'ils font du tri pour donner les partenariats. Donc du coup, ça récompense les meilleurs, quoi. Enfin, beaucoup, beaucoup quand même regardent avant les chaînes YouTube. Quoique je dirais bien que Ibroderie Diamant, avant de donner ses partenariats, regarde pas. Hein. Parce que ça fait un certain temps que je suis en partenariat avec elle. Et pourtant, il y a une fois, j'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, d'ailleurs. Elle doit y être encore, il me semble. Il me semble pas que je l'avais enlevée. Coup de gueule, Ibroderie Diamant. Ou je l'avais peut-être retirée, je ne sais plus. Et je lui en mettais plein la tronche, parce que j'avais reçu plusieurs fois des toiles qui étaient super abîmées et tout. Et à chaque fois, elle me relance régulièrement. Elle vient et elle me relance. Donc au départ, par contre, elle voulait qu'on fasse les toiles en vidéo. Maintenant, qu'on ait fait les toiles ou pas en vidéo, elle dit plus rien. Pareil, avant, il fallait à tout prix choisir des diamants de painting qui étaient sur sa boutique, voilà. Maintenant, moi, je sais que j'ai vu avec elle et que j'arrive à avoir des personnalisés qui m'intéressent le plus sur sa toile. Sur sa boutique, il n'y a pas forcément des trucs qui m'intéressent. Donc, hop. Je vais faire des personnalisés. D'ailleurs, la dernière toile de Fort Boyard que j'ai à prendre... Non, il m'en reste deux. Je ne sais plus. Une ou deux. Ça fera... Oui, deux peut-être. Deux, je lui demanderai peut-être de m'en faire une. Donc, elle s'est placée à la bonne place. Peut-être d'en faire une par elle, je sais pas. Et puis même, pareil, j'ai négocié pour avoir des outils. Des outils, parce que ça, c'est le problème. C'est que je suis pas beaucoup équipée en outils. Quand je vois, purée, certains partenariats, pareil, qui ont eu des super valises et tout. Et que chez Ibroderie, ben non, il n'y a pas des super valises. Il n'y a pas des super trucs, donc voilà. D'ailleurs, tous les partenariats que j'ai eus, moi, il n'y avait pas des super valises. Donc voilà. À part Gutfilm, et Gutfilm m'avait fait choisir que deux articles, je crois. Et j'avais pas. Non, j'avais une certaine somme à dépenser, donc du coup, j'avais pas pu me payer une mallette chez eux. Il y en avait des super belles. Donc du coup, maintenant, je vois avec Ibroderie, ouais, je prends un outil aussi avec. Je négocie avec elle pour avoir un outil. Alors en ce moment, de toute façon, ça sera, je pense encore quelques fois, des boîtes de tic-tac. Parce que j'ai refait mon rangement de mes pierres que j'avais en trop, mes restes. Et du coup, je stocke dans des boîtes de tic-tac, les petites valisettes de boîtes de tic-tac, et c'est génial. C'est super, mais maintenant, il faut que je trouve un système de rangement pour les sachets qui sont pas entamés.
Donc je me demande si je vais pas acheter une boîte de rangement en plastique bien fermée. Et puis mettre directement tous les ronds d'un côté et tous les autres sachets. Ou alors faire comme je fais là dans les sacs en congélateur. Tout ce qui est 100, 200, 300 dans chaque congélo. Dans chaque sac à congélo. Et puis, ce qui est rangé après dans... Oh là là, je m'y perds. Et après, rangé dans une boîte en plastique bien rangée. Voilà. Donc là, il me reste un 4 et un 3. Un 4 et un 3. Je suis contente, je n'avais pas vu le temps passer. Là, un 4 et un 3. Alors, le 4, c'est quoi? Le 4, c'est le 4 et le 3, c'est le 3. Voilà. Donc, c'est pas trop compliqué. J'ai pas vu le temps passer. J'ai fait déjà 10 cm par 10 cm. Et ben, c'est génial. Hop. Et ben, je vais vous laisser là. Moi, je vais continuer hors ligne. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà. Je vais vous dézoomer pour vous montrer le carré que ça fait. Voilà, un carré de 10-10 qui a été fait. Donc, je sais pas, par contre, est-ce que je continue par là? Ou est-ce que je continue par là? Si je continue par là, je vais avoir beaucoup de jaune. Je sais pas. La suite au prochain épisode. Bisous, bisous!